Seigneur mon Dieu, c'est à toi que je crie, ne me cache pas ta face, Seigneur, écoute ma voix. Pendant que nous sommes en train de travailler, que le malade soit guéri au nom de Jésus. Que les possédés soient libres au nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Alléluia. Nous allons vous nommer, nous bénissons notre Dieu. Bénissez. Dieu est un père, il est un père pour toi.
mal que tu peux avoir ton père biologique, il faut que tu le saches. Dieu est ton père. Par Jésus-Christ, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et lui, il est notre père. Nous devons apprendre à parler à notre Dieu comme nous parlons à notre père. Notre père. C'est pourquoi je dis Papa Nanga. Ces instants. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces moments. Cher Saint-Esprit, prends toute la place que nous puissions disparaître et que toi seul sois élevé. Que nous puissions être effacés, que toi seul tu puisses être manifesté ce soir. Nous sommes nuls, nous sommes rien, mais c'est toi qui es quelqu'un. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ces moments. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de chaque corps, chaque esprit, âme, cœur. Cher Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train de travailler, que le malade soit guéri au nom de Jésus. Que les possédés soient libres au nom puissant de Jésus. Oh Père, que les corps maîtris, Père éternel, reviennent à la délivrance au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, que là où il y avait quelque chose d'anormal, que tout revienne normal. Cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre et glorifie Jésus en ce moment. Et tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci David, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes très ravis d'être là ce soir. C'est une grande fête devant l'Éternel. Yes. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont venus nous honorer de leur présence. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La Bible dit que nous devons nous soutenir les uns les autres. Si les hommes du monde se réunissent, se liguent pour les choses du monde, à combien plus forte raison nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, devons nous être ensemble pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Tous ensemble, nos Bibles sont ouvertes dans le livre de 2 Jean, Jean chapitre 2, allais-je dire. Jean chapitre 2, je vais commencer à partir du premier verset. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Répétez après moi, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Un peu plus fort. « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. 6. La Bible dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » 7. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. 8. Pisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 9. Mais quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait pisé l'eau les servit bien, il appela l'époux. Verset 10. Pour clore, il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Toi, tu n'es pas gentil. Toi, tu n'es pas gentil. Toi, tu es méchant. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Nous sommes là à Cana.
Ça, c'est le premier miracle que Jésus-Christ a effectué dans son ministère. Tout le monde connaît bien cette histoire, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne servent pas Dieu, connaissent ce verset qui est le premier miracle de Jésus. Jésus-Christ a transformé de l'eau et cette eau-là est devenue le vin. Alléluia. Amen. Alors, le message de cet après-midi est intitulé « Faites ce qu'il vous dira ». Faites ce qu'il vous dira. C'est ça les six jours de mon message. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux être gentil que tu me dises faites ce qu'il vous dira? Mais soyez gentil quand même. Vous le dites que c'est comme si vous étiez méchant. Est-ce que vous pouvez le dire gentiment pour l'amour de Dieu? Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Non. Est-ce que Dieu vous a fait quelque chose? Non. Mais soyons gentils. Faites ce qu'il a vous dira. Faites ce qu'il a. Alléluia. Amen. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Je vois la puissance de Dieu sur toi. Amen. Je vois la miséricorde de Dieu sur toi. Amen. La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Le prédicateur passera, les chanteurs passeront, tout le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Oh! La Bible nous dit que c'est là que Jésus a opéré le premier miracle dans sa vie ou dans son ministère. Le titre de mon message, faites ce qu'il vous dira. Le premier mot qui m'a touché dans cette lecture, c'est le mot noce que je vis. C'est quoi la noce? La noce, c'est une fête. Alléluia. Amen. Quand les gens se marient, quand les époux se marient, ils vont faire leur fête de noces. Le lieu de noces, c'est un lieu de réjouissance. Alléluia. Personne ne peut être frustré dans un lieu de fête. Un lieu de fête, c'est un lieu de réjouissance où tout le monde est content, où tout le monde a les sourires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux sourire un peu ce soir? Amen. Tu peux sourire un peu ce soir? Amen. Est-ce que tu peux sourire ce soir? Amen. L'expression du visage montre ce que tu as dans le cœur. Yes. Même si tu as pleuré ailleurs, mais quand tu es là, tu vas sourire ce soir. Yes. C'est pas avec que tu es venu ce soir. Tu n'es pas venu me rencontrer. Tu n'es pas venu rencontrer le musicien là. Mais tu es venu rencontrer un homme. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu rencontrer un homme. Que je vous dis, cet homme là, il est donné vivant ou vivante. Quand tu meurs, il va choisir quelqu'un d'autre. Il va te trahir. Mais cet homme que je vais te présenter ce soir. Yes. Amen. Même quand tu es enterré, il continuera de te mettre. Vous pouvez faire des coopérations ensemble avec l'ami cher, l'ami intime. Mais quand on t'arrête, il t'abandonne. Il se renonce à ce que vous avez signé comme accord. Mais il y a un ami intime qui n'abandonne jamais. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Je ne t'abandonnerai point et je te délaisserai point. Même la mer ne te submergera pas. Personne n'a aimé comme cet homme, Jésus. Personne ne peut aimer comme cet homme. C'est comme ça que je dis, je lui ai donné mon enfance. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai donné toute ma vie à ce merveilleux Jésus. Oh, dans les chaînes de télévision à Kinshasa, j'ai crié à son nom. Au marché, j'ai crié. Dans les pistes, j'ai crié. Oh, alléluia. Amen. Venu en Europe, les gens m'ont donné 6 mois. Oh, tu aimes Jésus puisque tu viens d'arriver, on te donne 6 mois. Je dis, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas où est-ce qu'il m'a ramassé. Oh, vous ne savez pas ce qu'il a fait de moi. Sans lui, ma vie n'a plus de sens. Laissez les gens parler, mais moi je l'aime. Critiquez les gens, mais moi je l'aime. Parlez, mais nous aimons ce Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimés, la fête, les noces au pluriel, ce sont des lieux de réjouissance. Alléluia. Amen. Le deuxième mot qui m'a touché, c'est le mot Cana. Je vais vous raconter une histoire pour votre information. La ville de Cana, pourquoi? Qu'est-ce que veut dire Cana? Cana veut dire endroit où il y a des roseaux. Alléluia. Amen. Cana veut dire endroit où il y a des roseaux. Mais bien aimé de la Genève, ne vous en faites pas. Je ne vais pas prêcher comme j'ai prêché chez vous à Genève. C'est le même texte, mais je ne vais pas prêcher comme j'ai prêché chez vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cana veut dire endroit où il y a des roseaux. Or, roseaux, c'est ceux qui ont vécu en Afrique ou au village, savent qu'il y a des fleurs qui sont dans les eaux. Dans les étangs des eaux, il y a des fleurs qui tergiversent.
Il y a des fleurs pas fixes dans les eaux. Il y a des fleurs qui bougent à tout moment. C'est-à-dire, roseau veut dire quelqu'un qui n'a pas de position. Alléluia. Amen. Donc, la ville de Cana, c'était une ville de gens qui n'avaient pas de position. C'était une ville de gens pas stables. Aujourd'hui à gauche, demain à droite. Aujourd'hui oui, demain non. Des gens, on ne connaissait pas leur position. Alléluia. Amen. C'était ça la ville de Cana. Donc la ville de Cana veut dire endroit où il y a des roseaux. Roseaux qui signifie des hommes sans position. Amen. C'est ça la ville de Cana. Alors, pourquoi cette ville de Cana n'avait pas de position? Pourquoi les habitants de cette ville de Cana étaient sans position, pouvaient changer à tout moment? Tout a commencé dans l'Ancien Testament. Suivez-moi bien. Tout a commencé dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous connaissez Noé? Est-ce que vous connaissez Noé? Amen. Mais soyez gentils. Est-ce que vous connaissez Noé? Amen. Mais moi, je vous aime. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Alléluia. Amen. Moi, je vous aime tous de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes dans mon cœur. Je vous porte réellement dans mon cœur. Alléluia. Amen. Alors, la ville ou cette ville, ce pays Canaan, là, Jésus opère le premier miracle. On dit que tout le monde était sans position dans cette ville-là. Mais pourquoi les gens n'avaient pas de position? Je vous ai parlé de Noé. Noé avait un fils qui s'appelait Cham. Alléluia. Amen. Noé avait un fils qui s'appelait Cham. Et cet enfant Cham a vu la nudité de son père. Son père l'a dit, quand tu as vu ma nudité, tu es maudit aujourd'hui. Alors, ce Cham a eu un enfant qui s'appelait Cana. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, quand ce Cham a eu un enfant qui s'appelait Cana, c'est-à-dire à partir de Cham, toute sa descendance était maudite. Que même si tu as vu Coco, même si tu as vu les grands-pères, même si tu ne l'avais pas vu, mais si tu reçois la malchance de naître dans cette famille, du coup tu es maudit. Même si tu n'as pas vu Noé, même si tu n'as pas vu Cham, mais du fait qu'il a été maudit, toutes les personnes qui viennent dans cette génération, dans cette descendance, tous ces gens-là étaient maudits. C'est comme ça que Canaan, l'enfant de Cham, est allé séjourner en Palestine. Alléluia. Quand c'est Canaan, l'enfant de Cham, est allé séjourner en Palestine, ils ont trouvé un coin où ils commençaient à habiter. Ils se sont multipliés, ils se sont mariés et ils ont donné à ce nom-là, à ce coin-là, le nom de leur papa ou le nom de leur chef qui était Canaan. Alléluia. Vous avez compris d'où est venu ce nom de Cana? C'est alors que ce coin-là, en Palestine, où habitait ce peuple, a été surnommé, ou on appelait ce coin-là le nom de Cana. C'est-à-dire, comme Cana portait la malédiction en lui, donc cette ville de Cana était aussi maudite. Est-ce que vous comprenez avec moi? Amen. Donc cette ville-là était maudite. Tout ce que vous pouviez faire dans cette ville-là, rien ne pouvait marcher. Même autant de roi Salomon faisait faire des corvées à ce peuple. C'est un peuple maudit, c'est un peuple mis à part, rejeté à cause de ces péchés-là. Alléluia. Amen. Mais curieusement, dans cette ville-là, où rien ne pouvait marcher, dans cette ville-là qui était maudite, où les habitants étaient maudits, c'est là que la fête est organisée. Même toi qui pleures, tu peux aussi organiser une fête. Amen. Même toi qui n'as pas un pied, tu peux aussi avoir des choses chez toi à la maison. Même toi qui as longtemps pleuré, tu peux sourire un jour. Même toi qu'on a rejeté, un jour tu peux être au devant de la scène. Toi qui es inutile aujourd'hui, on peut t'acclamer demain. Amen. Si demain, aujourd'hui c'est moi, demain ça sera toi. Amen. Oh, ne te précipite pas puisque les autres sont là. Qui sait, peut-être toi, tu seras plus grand que les autres. Amen. Avec Dieu, tout est question de temps. Amen. Alléluia. Amen. Tout est question de temps avec le Seigneur. Amen. Alors, un jour, dans cette ville où rien ne pouvait marcher, on a organisé une fête. C'était une fête de mariage, de noces. Et en ce jour-là, on a aussi invité un monsieur qui s'appelait Jésus. Cet homme de Galilée, cet excellent monsieur, ce monsieur puissant, on l'a aussi invité dans cette fête. Ce monsieur était discret. Ce monsieur n'était pas comme le pasteur d'aujourd'hui. Il se faisait voir partout où ils étaient. Alléluia.
Ce n'était pas comme le pasteur d'aujourd'hui. Il va se faire remarquer de partout que lui, il est là. Amen. Cet homme-là était toujours discret. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme ne parlait pas de lui-même, mais cet homme attendait qu'on parle de lui. Amen. Cet homme ne se présentait pas, mais il a attendu que les gens disent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il était dans cette fête-là, tout discret. Les gens ont préparé, les gens ont mangé, les gens ont bu, les gens ont pris du vin. Mais à un moment donné, il n'y avait plus de vin dans la fête. Alors, comme il n'y avait plus de vin, ça entre nous. Dans une fête, s'il n'y a pas du vin, on peut bien manger, mais les gens diront, cette fête-là n'était pas meilleure, n'est-ce pas? C'est vrai. Est-ce que je mens? C'est vrai. Les gens peuvent manger, boire, danser, mais s'il n'y a pas le vin, s'il n'y a pas à boire, les gens diront, oh, c'était nul la fête. Mmh. Ouh, la fête était nulle, hein? La fête était nulle. Mais quand les gens peuvent boire, les gens sont saouls, les gens diront, ouais, c'est la meilleure des fêtes que j'ai assistée. Mais ce jour-là, le vin a manqué. Mais c'est quoi le vin? Laisse-moi te dire que la Bible dit que le vin réjouit la vie. Alléluia. Par définition, le vin, c'est ce qui réjouit la vie. Tu comprends? Donc le vin dont je vais parler ici, ce n'est pas le vin qu'on vend dans des grandes surfaces. Le vin dont je vais parler ici, je vais substituer, je vais soutirer les termes. Le vin veut dire ce qui rend la vie joyeuse. Oh, arrêtez ce jour-là. Ce n'était pas le vin physique qui avait manqué. Le vin qui avait manqué, c'était cette joie de vivre. Bien qu'ils étaient dans la fête. Mais il manquait la joie de vivre. Bien qu'il était dans la fête, mais il manquait la paix dans leur cœur. Il y a des gens, on est ensemble, on danse, on loue. Mais dès qu'on se sépare, la personne commence à pleurer. Il est dans un endroit de fête, mais quand tu le scelles, sa souffrance réapparaît encore. Ensemble, on peut danser, louer. Mais quand la personne est seule, la personne commence à pleurer. Oh, ce jour-là, il manquait la joie de vivre. Oh, il y a une femme qui était là. S'appelait Marie, la mère de Jésus. La femme est venue dire à son fils, mon fils Jésus, regarde, ces gens ici manquent du vin. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Jésus qui regarde sa mère, au lieu de dire maman, ma mère, Jésus ne dit pas maman ou ma mère. Jésus dit femme. Femme. Jésus a employé l'expression femme. Or, quand on emploie l'expression femme, on voit par là l'épouse. Mmh. Alléluia. Mmh. Quand on parle de l'épouse, on voit l'intimité. Mmh. Est-ce que vous comprenez? Yes. Quand on voit l'intimité, on voit une histoire d'amour. Yes. La femme qui est employée là, ce n'est pas la femme mère de Jésus, mmh. mais c'est la femme, l'épouse de Jésus, qui est l'église de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Yes. Oh, femme, l'histoire d'amour. Ton histoire avec Jésus, c'est pas une histoire de combat. Ton histoire avec Jésus, c'est pas une histoire de trahison. Mais ton histoire avec Jésus, c'est une histoire d'amour. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a la compréhension. Là où il y a l'amour, il y a la guérison. Là où il y a l'amour, il y a toutes les bonnes choses. L'amour ne frappe pas. L'amour ne trahit jamais. Ton histoire avec Jésus, c'est ton histoire d'amour. Tout le monde peut t'ignorer. Mais ta femme te connaîtra mieux que tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari te connaîtra plus que tout le monde, puisque vous vivez dans l'intimité. Bien-aimé, tout le monde pourra te connaître, mais en partie. Il n'y a qu'une personne qui te connaît plus que tout le monde. Amen. Cet homme-là s'appelle Jésus. Amen. Les gens qui vivent autour de toi peuvent te condamner, te critiquer. Mais c'est lui qui vit au-dedans de toi. Yes. C'est lui qui t'connaît mieux que yes. tout le monde. On peut dire des faussetés, des choses vraies sur toi, contre toi. Tu peux accepter, nier. Mais il y a une seule personne qui connaît la vérité. Amen. Cet homme-là voit même dans le noir, même dans les silences. Notre histoire avec Jésus, c'est une histoire d'amour. Bien-aimé, cet homme Jésus nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Cet homme nous chérit comme on n'a jamais chéri. Passer une heure devant Jésus vaut mieux que mille ans ailleurs. Oh, parlez, holo chaka, yabasé de baba. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il est merveilleux, cet homme de Galilée. Oh, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ne faites pas de conclusions sur sa vie. Alléluia. Vous ne connaissez pas ce qu'il vit. Vous voyez des gens comme ça de l'extérieur. Mais quand tu es en intimité avec le Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Alléluia.
tala kona la pembeni ya nzambe eleki ba posa nyoso kona la pembeni na yo ya mweleki ba posa nyoso eh Yesu koro shakari ya sanga baba eh Yesu j'ai vu des gens après leur intimité les amoureux commencent à se chamailler mais après l'intimité mais quand on est dans l'intimité avec Jésus on ne peut pas se chamailler. Oh, le chakariaba, sandariaba, yekeye, sandababa. Quand on a été à l'intimité avec Jésus, on devient fou. Amen. Quand on marche en cours de route, loco, yoba, sandababa. Oh, le chakariaba, sandariaba. Oh, dans les pistes, tu commences à parler toi-même. Les gens disent, mais c'est un fou. Oh, c'est un fou, pas de ce monde, mais fou pour Dieu. Continue, bien que la femme, l'épouse, Marie, a dit, faites ce qu'il vous dira, avant qu'elle dise ça, c'est que je puis constater que Jésus n'avait pas donné l'autorisation à sa maman. Mais sa maman connaissait très bien son fils. Alléluia. Amen. La maman connaissait très bien son fils. Bien-aimé, cette femme, Marie, est allée dire aux gens, bien que ce Jésus-là ne m'a pas donné autorité de faire quoi que ce soit, mais vous faites seulement ce que Jésus vous dira. Alléluia. Amen. Faites seulement ce que Jésus vous dira. Bien-aimés, dans ce soir de l'humanité où nous sommes, la mission de la femme, c'est de dire au monde ce que Jésus veut. Amen. Oh, en ce soir de l'humanité, bien-aimés, on n'a pas besoin de messagers, mais on a besoin de messagers de la bonne nouvelle. Amen. Il y a des massagers qui viennent vous masser les oreilles. Oh, oh, tu seras la tête et non la queue. Oh, tu seras le premier et non le dernier. Bien-aimé, la vie est faite de principes. Amen. Alléluia. Amen. La vie est faite de principes. La Bible a dit que au temps de la fin viendra de faux prophètes. Oh, ils prêcheront aux gens ce qui va plaire le cœur des gens. Oh, tu vas te marier. Amen. Tu vas aller en Europe. Amen. Bien-aimés, ça sont des massages. Prêchons aux gens la vraie parole. Amen. La vraie parole, que j'aille ou pas, je viendrai adorer Dieu. Amen. Que j'échoue, que je résiste, je serai devant sa présence. Amen. Alléluia. Amen. En ce soir de l'humanité, la mission de la femme qui est l'église de Jésus, c'est de dire la vérité au peuple de Dieu. Amen. Quelle est cette vérité? Répondez-vous car les jours sont mauvais. Amen. Oh, quel est ce message? C'est de dire aux gens, nous ne sommes que des passagers sur la terre. Bien-aimé, un jour nous allons mourir. Bien-aimé, sur la terre on ne fera que peut-être 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais la plupart, la plus grande partie de notre temps, nous les passerons dans l'éternité. Amen. La mission de l'église, c'est de dire aux gens la vérité que Jésus revient bientôt. Amen. Que tout passera. Les millénaires passeront, bien-aimé. Les femmes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Oh, c'est là que l'église de Dieu ne fasse pas la compromission avec la parole de Dieu. Que si je prêche la vérité, les gens quitteront mon église. Que les gens quittent, que les gens reviennent, cela n'est pas mon problème. Amen. Mais moi, je dois faire mon travail. Bien-aimés, ne faisons pas la compromission avec la parole de Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux gens, mais plaisons au Seigneur. Nous ne sommes pas serviteurs des hommes, mais nous sommes serviteurs de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui sont devenus serviteurs des hommes pour plaire aux hommes. Mais ne soyons pas des serviteurs des hommes, mais soyons serviteurs de Dieu. Vous savez, Jésus a nourri les gens. Jésus a donné le pain. Jésus a fait du bien aux gens. Mais un jour, on a présenté Jésus et Barnabas. On a posé la question, entre ces deux, qui voulez-vous que l'on libère? Les gens ont dit, crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Tu peux te faire voir très bien devant les gens, mais s'il faut que ces gens-là t'abandonnent, ils t'abandonneront un jour. S'il faut que ces gens-là te quittent, ils te quitteront un jour. C'est-à-dire, ne vivons pas pour plaire aux gens. Amen.
Nous devons dire la vérité, rien que la vérité. La vérité, pas dans la méchanceté, mais avec beaucoup d'amour. Alléluia. La femme a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Alors, comme la femme a dit, faites ce qu'il vous dira, les serviteurs de la fête sont venus. Il y avait 6 vases à côté là, gloire à Dieu. Il y avait 6 vases à côté. Vous savez, Dieu c'est un grand mathématicien. Alléluia. Dieu c'est un grand mathématicien. Dieu dans sa préscience avait laissé 6 vases à côté. À quoi servaient ces vases? Vous savez, chez les juifs, avant d'entrer dans une maison, dans les temples, il y avait des vases. Les gens utilisaient ces vases pour nettoyer les mains pour la purification. Avant d'entrer dans les tabernacles, il y avait ce qu'on appelait, qu'est-ce qu'on appelait ça? La cuve de rein. Avant que vous entriez dans le lieu saint, vous devrez vous laver le pied. Avant d'entrer chez un juif, vous devrez aussi vous laver le main, signe de purification. Mais ce jour-là, il y avait 6 vases. Ce vase-là était dehors. Ce vase-là, quand il faisait chaud, ce vase était dehors. Quand il pleuvait, ce vase était dehors. Mais pourquoi c'est massif? Je vous ai dit que Dieu, c'est un grand mathématicien. Quand on nous parle du chiffre 1, le chiffre 1 nous parle du Dieu vivant, un seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Quand on nous parle du chiffre 2, on nous parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quand on nous parle du chiffre 3, on nous parle d'un seul Dieu, mais qui se manifeste sous 3 formes différentes. Quand on nous parle du chiffre 4, on nous parle de la délivrance du chiffre de la terre, des 4 évangélistes. Quand on nous parle de 5, on nous parle de 5 ministères. Alléluia. Et quand on nous parle de 6, on nous parle du chiffre de l'homme, le chiffre de l'imperfection. D'où vous voyez la marque du diable, 666, 6 3 fois. C'est-à-dire, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Or, quand on soustrait 1 des 6, des 7, on obtient 6. Donc le diable n'est pas parfait. Or ce jour-là, il y avait aussi 6 vases. Mais Jésus n'a pas choisi d'autres vases. Jésus n'a choisi que cette imperfection. C'est toi qui es le choix de Dieu. Bien que tes erreurs, bien que tes défaites, mais c'est toi qui es le choix de Dieu. Bien que les gens te condamnent, bien que les gens te critiquent, mais c'est toi que Jésus choisit. Jésus n'est pas venu pour les riches. Il n'est pas venu pour les pauvres. Mais il est venu pour toi. Il n'a pas besoin de vases d'argent. Il n'a pas besoin de vases d'or, mais il a besoin de vases vides mais abandonnés. Alléluia. C'est toi le choix de Dieu, mon frère. C'est toi le choix de Dieu, ma soeur. C'est toi qui vas faire entrer la parole de Dieu dans ta famille. C'est toi qui vas faire entrer la parole de Dieu dans cette ville de Lyon. C'est toi le choix de Dieu. Oh, il a choisi cette imperfection 6. Alors il a dit, Jésus a dit, remplissez ces 6 vases. Ils ont pris de l'eau. Et ils ont rempli ce vase. Alléluia. Amen. Dieu choisit les simples choses de la vie pour confondre la sagesse de ce monde. Amen. Il n'a pas cherché l'extravagance, mais il n'a pris que de l'eau. Vous savez, de l'eau, même un pauvre peut avoir de l'eau. Alléluia. Amen. Même dans la forêt, on peut trouver de l'eau. Partout où vous allez, on peut trouver de l'eau. Jésus est allé choisir la simplicité. Ce sont nous, prédicateurs, qui voulons intimider l'église de Dieu. Tu verras un prédicateur avant de prêcher, il commence à trembler. En train de toucher sa tête, en fait, en train de faire des grimaces. Notre Dieu n'a pas besoin de ces grimaces-là. Alléluia. Je ne condamne pas ceux qui font des grimaces. Peut-être qu'ils sont poussés à faire ça. Mais ça, ce sont nos sentiments à nous. Les gens ont besoin de l'insigne de l'Éternel. Alléluia. Alors Jésus est venu ce jour-là. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. On a rempli ce vase-là. Et qu'est-ce qui se passe après? Jésus dit, prenez ces 6 vases, apportez-les chez l'organisateur de la fête. Quand l'organisateur de la fête a goûté seulement, il a dit, mais non, le monsieur qui s'est marié, c'est un fou. Alléluia. Amen. Mais c'est un fou. Comment dans la fête, on doit d'abord servir le vin qui est moins bon? Mais comment ce monsieur a donné d'abord ces mauvais vins aux gens? Et le meilleur vin, il l'a gardé après. Pourquoi il a fait ça? Or que l'organisateur de la fête n'était pour rien. Il y avait un monsieur qui était dans l'inconnu. Il y avait un monsieur qui agit sans que les gens connaissent. Il y a un monsieur qui bénit sans que les gens se rendent compte. Les gens de ce monde, quand ils te donnent, ils te diront, « Je ne veux pas voir ça. » Mais Jésus, même s'il te donne quelque chose, Jésus ne dira jamais à son ange que c'est moi qui ai fait ça.
Oh, les gens de ce monde. Oh, camarade à mon temps, je ne sais pas si on dit comme ça. Camarade à tous les temps. Mais quand vous vous chamaillez, tous les secrets, tout ce que vous voulez dire en cachette, dehors. Oh, l'ami de tous les temps. Mais je sais à qui on sait l'ami de tous les temps. Cet homme-là n'abandonne jamais. Si tu veux te confier, confie-toi à Jésus. Même nous, pasteurs, aujourd'hui, les gens n'aiment plus nous dire leurs problèmes. Puisque quand les membres nous disent leurs affaires, on va dire ça au téléphone. Oh, tu sais, c'est pour ça que les gens ne viennent plus. Mais heureusement, les fidèles ont compris qu'il y a un ami qui ne déçoit jamais. Lokola anana tempelo yasio. Abelela kiloyo akilaye. Molinami atamoni so papa. Yehoshua amashire. Même les sacrificateurs ne comprenaient pas pourquoi Anne pleurait. Dans la merde, des fois même les pasteurs ne peuvent pas comprendre ton souci. Le pasteur peut prier seulement, au nom de Jésus, parle, donne-moi l'offrande et le pasteur part. Mais la souffrance qui est dans ton cœur, peut-être il ne connaît pas. Mais il y a un seul qui comprend la souffrance de ton cœur. Oh, il n'y a qu'un seul bien-aimé. Cet homme-là, c'est Jésus. Bien-aimé, l'église, confiez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Jésus ne nous décevra jamais. Alléluia. Moi, je peux t'abandonner. Oh, l'église peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus sera toujours avec toi. Alors, quand ils ont fait ce que Jésus a demandé, c'est alors que l'eau s'est transformée. Alléluia. Ton nom peut se transformer. Ces simples choses que tu as peut se transformer. Le mari que tu négliges aujourd'hui peut se transformer. La femme que tu négliges peut se transformer. Tes enfants que tu vois rebelles peuvent devenir des serviteurs de Dieu. Oh, ce que tu négliges aujourd'hui peut être acclamé demain. Mais avant que l'eau se transforme en vin, ces gens ont d'abord obéi. Faites ce qu'il vous dira. Si je pose la question à tout un chacun ici, es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Tout le monde me dira oui, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais est-ce que faisons-nous la volonté de Dieu? Est-ce que faisons-nous la volonté de Dieu? On vient à l'église, on danse, on loue pour Dieu, mais nos cœurs sont loin du Seigneur. Bien-aimés, nous prions ici, mais quand on sort ici, le prédicateur là derrière n'était pas bien habillé. Il n'a pas mis la foule. Qu'est-ce qu'il manque? Lui vraiment. Mais il a écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu après la parole ici? Les gens se font l'échange de coups ici dehors. Bien-aimé, si tu es venu avec cette intention de te battre là ce soir, ne le fais pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, ne le fais pas, bien-aimé. Au nom de Jésus. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le pasteur vous prêche, le pasteur sort là, paf, mouvement du corps. Le pasteur est par terre. Mais pourquoi le pasteur est par terre? Oh, le pasteur, il voit les gens manger à la matière. Bien-aimé, si tu as fait du judo, est-ce que c'est pour le pasteur? La Bible dit ne touchez pas mes rois. Celui qui touche mon serviteur touche à l'Éternel. Celui qui parle mal de l'homme de Dieu parle à l'Éternel. Alléluia. Si tu veux parler de l'homme de Dieu, va le trouver lui-même en face. N'aille pas dire à quelqu'un d'autre. Ça, on appelle ça les qui sonnit, sonnit. Les qu'on partage. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Nous prions ensemble. Nous parlons des langues ensemble. Mais après ces langues, qu'est-ce qu'elle montre elle aussi? D'ailleurs. Mais après tu l'embrasses. Baiser de Judas. Aimons Jésus, bien-aimé. Bien-aimé l'église, répentons-nous. Bien-aimé, répentons-nous. Revenons à la vraie parole. Bien-aimé, j'aime bien parler de miracles. J'aime le miracle, j'aime la guérison. Mais je peux prier pour toi, tu as la guérison des maux de tête. Demain, tu auras mal aux jambes. Alléluia. Lazare a cru que, comme Jésus-Christ l'avait ressuscité, qu'il n'allait plus mourir. Mais un jour, Lazare est mort. On peut prier pour toi, tu es paralytique, tu te lèves et tu marches. Mais sache qu'un jour, tu vas mourir encore. Mais il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais ravir en toi. Avoir Jésus en soi comme Seigneur et Sauveur, personne ne pourra te les ravir. Amen. Tu peux être pauvre sur la terre, mais tu vas vivre dans les royaumes éternels. Bien-aimé, tout enfant de Dieu ne sera pas riche dans sa vie. Amen. Jésus a dit à ses disciples, les pauvres, vous les aurez tous les jours avec vous. Mais seulement, vous allez souffrir à cause de mon nom. Qu'aucun prédicateur ne vienne vous dire que tout marchera, tout ira bien. Amen. Jésus lui-même a souffert aussi. Vous savez comment l'apôtre Pierre est mort? L'apôtre Pierre est mort la tête en bas, les pieds en haut.
l'empereur Néron l'a fait percer une épée. Vous savez comment l'apôtre Pierre, Paul est mort? Il est mort attaché par un cheval et le cheval parcourait la forêt et lui s'est cogné contre les arbres. Vous savez comment Étienne est mort? Étienne est mort lapidé. Bien-aimé, Jésus a dit, vous allez souffrir, mais tenez bon. Je vaincu le monde, vous allez aussi vaincre. Sur la terre de vivants, je ne suis qu'un passager. Mais bien souvent, je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à ma mission, que mon Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Et les jours ne demandent pas, qu'est-ce que les gens diront de moi? Pour yes. Sur la terre des vivants. Un jour où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Qu'est-ce que les gens diront? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Il y a d'autres personnes, quand tu n'es pas, quand elle n'est pas là à l'église, toute l'église se soucie. Pourquoi ce papa n'est pas là? Nous l'aimons bien. Pourquoi ce frère n'est pas là? Nous l'aimons bien. Mais il y a d'autres personnes, même s'il n'est pas là, yes, on dit au gloire à Dieu Seigneur. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu Seigneur. Yes. C'est la vérité. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, quand il n'est pas là, mais pourquoi il n'est pas là? Il a tellement laissé de bonnes traces à l'église. Oh, quand on parlait du mal des hommes de Dieu, il était là. Non, non, allez le voir, c'est notre papa. C'est un homme qui peut aussi faire des erreurs. Soutenez-le, c'est notre papa. Alléluia. Mais ce n'était pas là pour combattre l'homme de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est bon. Mais avant que cet homme-là se transforme, ils ont d'abord obéi. Laisse-moi te dire que rien ne peut enrichir la vie comme de vivre en harmonie avec Dieu. Amen. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous pouvons vivre demain avec Dieu. Bien-aimés, marchons dans la crainte de la parole de Dieu. Bien-aimés, la renommée que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais avec la crainte de Dieu, ça sera 10 fois plus. Amen. Bien-aimés, ce que nous vivons aujourd'hui, dans l'hypocrisie, ce ne sont que des miettes. Dans le péché, nous allons vivre quelque chose avec Dieu, mais nous ne vivrons jamais de grandes choses. Yes. Nous n'allons jamais aller au-delà de nos limites. Puisque le péché, c'est comme une force de pesanteur qui attire un corps qui est dans l'espace et qui l'attire vers la terre. Vous pouvez être puissant, vous pouvez être éloquent, très puissant. Le diable ne peut rien te faire. Le diable ne peut rien faire à l'église de Dieu. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut détruire l'église de Dieu, c'est le péché. Il n'y a qu'une seule chose qui peut détruire ta vie, c'est la vie de péché. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, toi d'abord commence à changer. Amen. Tu veux voir ton mari changer, toi commence à changer. Amen. Si tu ne changes pas, ma soeur, qu'est-ce que le vieux Gabi disait? Le changement te changera. Amen. Si tu ne veux pas changer, quand les choses vont s'empirer, tu pourras changer, mais peut-être ça sera trop tard. Bien aimé, c'est ça le moment de changer. Nous souffrons, nous avons des problèmes. Rien ne marche. Bien aimé, c'est bien de faire des jeûnes de 40 jours. J'ai bien jeûné. J'ai jeûné 40 jours. Mais ce n'est pas un moyen de corrompre Dieu. Le jeûne de prière ne peut pas corrompre Dieu. Nos offrandes ne peuvent pas corrompre Dieu. Rien ne peut enrichir la vie comme de vivre en harmonie avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, changeons et les choses changeront autour de nous. Il y a des choses que nous forçons aujourd'hui, ça ne change pas. La prière qui ne marche pas dans la crainte de la parole de Dieu ne peut rien changer. C'est le bruit dans les oreilles de Dieu. C'est comme ça que Koulmatope a chanté. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques, car je n'écoute pas les sons de ta musique. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques, car je n'écoute pas les sons de ta musique. Amos chapitre 5, verset 23. Il y a des prières qui sont de bruit. Seigneur, oh Dieu, oh Dieu. On ne peut pas forcer Dieu. Quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, on ne peut pas crier. Amen. Même on dit calmement, Dieu vous écoute. Vous savez, nous, quand on a donné la vie au Seigneur, vous savez que pour prêcher avec onction, il faut crier. Vous savez, comme j'écris et je crie là, ce n'est pas pour l'onction. Je suis habitué à faire ça. Alléluia. Tu peux parler tout doucement, mais il y a l'onction de Dieu. Amen. Tu peux crier, il y a l'onction de Dieu. Mais tu peux aussi crier, mais sans onction. Jesus. Alléluia. Amen. Bien aimé, changeons et les choses changeront. Amen. Quand ces gens-là ont changé, c'est alors qu'ils ont vu
Cette eau qui était banale, ces eaux qui étaient banales, ces eaux sont devenues vin. Or que le vin est recherché. Pour trouver les eaux, il y a des gens ici, quand on était en Afrique, n'avaient jamais goûté du vin. Ils n'ont goûté du vin que quand ils sont venus en Europe. Quand ils étaient en Afrique, le vin c'était pour les rois. Est-ce que je mens? Entre vous, est-ce que je mens? Allez, est-ce que je mens? Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vu du vin en Afrique, qui n'ont jamais goûté du vin. C'était seulement pour une catégorie de personnes. Mais de l'eau, on pouvait trouver ça chez tout le monde. Laisse-moi te dire que c'est banal, ce petit rien que tu as, cette eau-là que tu as, cette eau-là peut avoir de la valeur entre les mains du roi. Amen. Confie ce petit rien que tu as entre les mains de Jésus et Jésus va donner un sens à ce rien-là. Jésus va donner un sens à ton mari. Faites seulement ce qu'il vous dira. Vous savez, en ce moment où nous sommes, nous commençons à suivre ce que les gens disent. En ce moment où nous sommes, il y a des faux prophètes et des vieux prophètes. Bien-aimé, tu es guéri. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Bien-aimé, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ces critiques, c'est pour te pousser d'aller à l'avant. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Mais seulement change de mentalité. La porte qui nous fait accéder dans les choses de Dieu, cette porte-là s'appelle la repentance. Or, ce mot repentance vient du mot grec qui s'appelle metanoia. Amen. Hein, maman? Metanoia, vous connaissez, non? Hein, ma sœur? Amen. Le mot repentance vient du mot grec qui veut dire metanoia. Metanoia qui veut dire changement de mentalité. Changement de pensée. C'est-à-dire, quand on est chrétien, on a des pensées qui sont changées. Quand on voit un frère avec une sœur, on ne dit pas qu'on le voit suspect. Un chrétien ne pense plus comme ça. L'amour ne soupçonne plus, il est mal. Oh, on a des pensées changées. Même si rien ne marche, on ne dit pas que oh, la crise économique, on dit tout va bien. Puisque Dieu est de notre côté. Même si les autres échouent, mais nous nous rassurons. Nous avons Dieu. À lui appartient l'or et l'argent. Mon Dieu n'a pas la guérison, mais il s'appelle la guérison. Il n'a pas la solution, mais il est la solution lui-même. Oh, change ton langage, ma soeur. Bien-aimé, le royaume, l'église de Dieu, c'est un royaume des gens qui ont changé leur mentalité. Malheureusement, il y a des gens qui sont entrés par la fenêtre. Alléluia. Quand vous entrez par la fenêtre, on vous appelle un voleur. Il y a des voleurs dans l'église de Dieu. Il y a des voleurs dans, parmi les enfants de Dieu. Ils se sont fait des protocoles, des prédicateurs, des chantres, mais sans la nouvelle naissance. Tu le vois prédicateur, mais quand tu vis avec lui, aucune image de l'enfant de Dieu. Un païen tout fait. Et personne ne peut passer près de la croix de Jésus et rester le même. Quand on était un menteur, on ne sera plus un menteur. Quand on était un voleur, on ne sera plus voleur. Puisque la mentalité s'est transformée. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. L'apôtre Paul est enterré avec Jésus. Paul est enseveli avec Jésus. Si je vis là, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Quand vous me critiquez, c'est Jésus que vous critiquez. Quand vous parlez de moi, c'est à Jésus que vous parlez. Moi, je suis mort il y a longtemps. Il y a Jésus qui vit en moi. Bien-aimés, mourons à nous-mêmes et Jésus-Christ vivra en nous. Bien-aimés, ne cherche pas les miracles ailleurs. Accepte seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne cherche pas les miracles à gauche et à droite. Crains l'Éternel et marche dans la crainte de la parole. Tu même garderas mes commandements. Mon Père et moi viendrons habiter chez lui. Bien-aimé, imagine-toi que Dieu créateur vienne habiter chez toi. On n'aime pas Jésus seulement en parole. Aimer Jésus, on doit le vivre par son comportement. C'est ton comportement qui va témoigner que tu aimes Jésus. Ce n'est pas la chanson, ce n'est pas la danse. Dieu cherche de vrais adorateurs. L'adoration, ce n'est pas seulement danser, louer, mais l'adoration, c'est toute une vie. La célébration, c'est toute une vie de tous les jours. Quand je suis seul devant ma télé, je dois craindre Dieu. Quand je suis seul devant mon ordinateur, je dois craindre Dieu. C'est ça la vraie adoration. C'est son là le vrai adorateur. Appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et comme si ces choses existaient. Le monde n'existait pas, mais Dieu a dit que le monde soit. Tu ne mourras pas, mon frère. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Tu ne resteras pas célibataire, tu vas te marier. Tu ne resteras pas stérile, tu auras des enfants. Tu ne resteras pas inquiet, tu vas prospérer. Puisque tu as Dieu avec toi.
Bien-aimé, si Jésus-Christ est en toi, tu es majorité plurielle. Si Jésus-Christ est en toi, tout le monde peut mourir, mais toi, tu ne mourras jamais. Celui qui tient la promesse de Dieu ne meurt jamais. Tu peux être dans un bus, le bus fait l'accident, mais puisque le fils de la promesse est dans le fils de la promesse ne mourra pas. Tout le monde mourra, mais toi, tu ne mourras pas. Oh, le métro pourra s'écrouler, mais puisque toi, tu es là, le métro ne va pas s'écrouler, et toi, tu resteras vivant. Oh, puisque les yeux de Dieu sont sur toi. Bien aimé, on dirait que il a des choses pour que le mari soit derrière lui, pour derrière elle. On dirait non, il a des gris-gris. Ce ne sont pas des gris-gris, il a Jésus. Il a Jésus. Il a Jésus. Il a Jésus. Bien aimé, avoir Jésus, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Ça, on met dans la poche, c'est pas mon père. Alléluia. Alléluia. Avoir Jésus, c'est ça qu'il y a de plus beau. Bien-aimé, marchez dans la crainte de la parole de Dieu. Bien-aimé, faites ce que Jésus vous demande. Bien-aimé, je peux vous conduire dans l'erreur, mais Jésus ne te trompera jamais. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant de la terre. Il y a des noms qui donne la joie mais qui ne sauve pas. Il y a des noms qui donnent la satisfaction. Oh, tu es l'air que je respire. Oh, mon chocolat chaud. Mais après, tu auras des coups. Des noms qui ne font rien. Mais les noms de Jésus, les noms des géniaux. On a cité les noms de prophètes. Ces prophètes sont morts. On a cité les noms des gens. Préso, préso. Mais ces préso-là sont morts. Mais notre préso à nous, les gourous de la religion chrétienne de Jésus, hier il était Dieu. Aujourd'hui, Dieu. Demain sera Dieu. Il ne mourra jamais. Mon Dieu ne mourra jamais. Mon Dieu ne mourra jamais. Mon Jésus ne mourra jamais. Mon Jésus ne mourra jamais. Mon Jésus ne mourra jamais. Que je sois en prison, je serai avec mon Jésus. Que je sois dans l'avion avec mon Jésus. Que je passe la nuit par terre avec mon Jésus. Dans le métro avec mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Est-ce que tu peux dire que j'abandonne ma vie entre les mains du Seigneur? Aujourd'hui, je te donne ma vie, Seigneur. J'ai prié, j'ai chanté, mais je ne t'avais jamais donné toute ma vie. Aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Ces gens, ils ont vu les vins, l'eau changer en vin, c'est puisqu'ils ont invité Jésus. Ils ont seulement invité. Vous savez, un invité ne reste pas. Un invité finira par repartir. Amen. Mais Jésus-Christ, quand tu l'appelles dans ta vie, Jésus-Christ ne sera plus un invité dans ta vie. Jésus-Christ sera ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus sera le maître de la maison. Jésus sera le conducteur. Alléluia. Est-ce que tu peux l'appeler dans ta vie ce soir? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je mets ma vie en ordre avec toi? C'est vrai que j'étais ton enfant, mais je vais remettre ma vie en ordre. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Nos vies sont, nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Seulement voir un doigt qui peut s'élever, qui peut me dire, homme de Dieu, prie avec moi. C'est vrai que j'ai servi Dieu, mais ma vie était loin du Seigneur. Je vais voir une personne humble qui veut dire que j'ai servi Dieu, oui. J'ai chanté, oui. Je faisais ceci, mais ma vie était loin du Seigneur. Mais ce soir, je voudrais remettre ma vie en ordre. Côté. Alléluia. Je t'attends une minute, toi qui es encore assis. C'est ça l'occasion que Dieu te donne. Lève-toi pendant que la pluie se joue. Je ne vais pas te prendre longtemps, mais lève-toi seulement. Jésus dit, humilie-toi, je vais te lever. Tu vas dans les églises, tu prêches, tu chantes, mais ton cœur revient loin du Seigneur. Mais Seigneur, ce soir tu te dis, je te donne ma vie. Mettez-vous debout. Si tu mourais ce soir, si tu partais, débourse beaucoup d'argent, mais on a fait pour que toi tu reviennes à la raison. C'est pour toi. Venez devant, vous puissiez être là. Mettez-vous même là. Venez devant. Oh. Vous qui êtes devant, commencez à dire, Seigneur, je reviens auprès de toi ce soir. Dis, Jésus, je reviens dans la bergerie. Commencez à prier, vous qui êtes devant. Jésus, je reviens auprès de toi. Jésus, pardonne-moi, je te donne ma vie. Commencez à prier. Commencez à prier, vous qui êtes devant. Seigneur Jésus, je viens
Je reviens auprès de toi. Oh, entre dans mon cœur. Sois vraiment mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Toi, Satan. Et tes œuvres. Je renonce à toi, Satan. Je renonce à tes œuvres, Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, prends ma vie. Je dis, prends ma vie. Dirige ma vie. Aujourd'hui. Et à jamais. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je te présente ce peuple qui est venu devant toi ce soir. Je dis, pardonne leurs péchés. Toi qui as reçu ce brebis égaré, reçois ce peuple dans ton royaume. Ton nom soit encore inscrit. Que ceux qui ne te connaissaient pas, maintenant ils te connaissent. Pardonne leurs péchés. Pardonne leur envie de pécher. Délivre-les, Seigneur. Je chasse tout lien de la chair, tout lien démoniaque, au nom puissant de Jésus. Tout lien de péché, tout lien de compromission, au nom puissant de Jésus. Je mets en vous les dégoûts du monde. Les dégoûts de péché, soyez libres au nom de Jésus. Soyez bénis. Vivez à nouveauté de vie. Jésus vous aime. Il y a une fête qui se fait maintenant au ciel pour vous, puisque vous êtes revenus comme des brebis égarés. Il y a une fête pour toi. Jésus t'a pardonné. Va, mais ne pêche plus. Ne recommence plus l'ancienne vie que tu menais. Jésus t'a pardonné. Maintenant, vis comme une chrétienne née de nouveau. Vis maintenant comme un enfant né de nouveau. Ne mets plus tes pieds là où tu mettais. Ne parle plus de ce que tu parlais. Tu es maintenant enfant de Dieu, régénéré et transformé. Soyez bénis au nom de Jésus. Fais tourner en paix. Après un cantique de louange très fort, vous savez, pour avoir un miracle, ce n'est pas moi qui viendrai prier pour toi. Tu as besoin d'un miracle maintenant. La parole de Dieu ne sort pas et retourne auprès de Dieu sans qu'il y ait des effets. Je crois au miracle. Partout où je prêche cette parole, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui accompagnent cette parole. Ce que je te demande maintenant, c'est de fermer tes yeux, de ne pas regarder la personne qui est à gauche ou à droite. Ça, c'est ce que je te demande, c'est fini. Tu as une maladie, le médecin dit peut-être que c'est incurable. Tu as bu de médicaments, mais pas de solution. Mais je te demande d'être concentré, vraiment. Ne regarde pas la personne à tes côtés. Ferme tes yeux, ça c'est ce que je te demande. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Vous allez crier très fort après moi le nom de Jésus. Encore. Jésus! 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 Sois concentré, ne perds pas tes pensées, ne sors pas en ce moment. Ne sors pas, il y a un miracle qui va se passer. Rokorio Sandaya Badaskondorio Sandaya Baba. Rokorio Sandaya Badaskondorio Sendeye Badaskondorio Baba. Rokorio Sandaria Baskondorio Basandaria. L'Esprit de Dieu est là à tes côtés. L'Esprit de Dieu va te visiter de manière puissante. Ferme tes yeux, sois concentré. Commence à recevoir ton miracle. Oh, commence à recevoir la guérison. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Tu n'es pas esclave de la maladie. Maladie, je t'ordonne de quitter ce corps au nom puissant de Jésus. Vous allez mettre un cantique très chaud. Je vais d'abord ordonner. J'avais d'abord l'esprit de la cité de l'aveuglement. Tes yeux ne peuvent pas mourir. L'esprit d'aveuglement. Oh, l'esprit d'aveuglement. Quitte ce corps au nom de Jésus. Toi qui fais des cauchemars, toi qui es bloqué, lié par les démons, je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter ce corps démon. Quitter ce corps démon. Quitter ce corps démon. Allez dans le lieu d'arrivée. Allez dans le Lénaride. Allez dans le Lénaride. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Corona, 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 corona
animal. Ces règnes de la pauvreté, des liens de péché, des maladies incurables. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Après moi, Jésus. J'ordonne à tout esprit de mort. Oh, je menace tout esprit de sorcellerie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Jésus. Allez-y au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre. Logo le Saint. Je bénis cette réunion de prière. Oh, merci pour les guérisons, cher Saint-Esprit. Merci pour le miracle. Merci pour ta main. Et merci pour ta grâce. Dieu est Dieu. Ainsi, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pas que j'ai peur, j'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti hier. Voilà. J'ai une maladie depuis plus de 15 ans. J'ai un ulcère d'estomac qui me menace depuis plus de 15 ans. Et hier, quand le pasteur Soleil était devant, quand il a dit il a le pouvoir de guérison, il a dit qu'il devait prier pour les malades. J'arrivais pas à me lever parce que j'avais comme un pincement au niveau de la poitrine. Je me suis levée, j'ai fermé les yeux et
le frère qui était à côté, je ne savais pas qu'en fait, quand je fermais les yeux, j'allais plutôt vers lui. Je ne savais pas où j'allais en fait. Quand il m'a tamponné avec le bras, j'ai ouvert les yeux et j'ai perdu la concentration. Tout de suite, je me suis remise et j'ai refermé les yeux. Et dès que j'ai refermé les yeux, la concentration est revenue à l'instant. Je ne sais pas si c'est 5 minutes. Quelques minutes après, j'ai ressenti le pasteur Soleil devant moi. Il m'a dit, crie Jésus. Je voulais crier Jésus, mais je n'avais pas la force. Il m'a dit, crie Jésus 3 fois. La 3e fois, j'ai dit Jésus. En finissant le Jésus, je suis partie. Quand j'étais au sol, en fait, avant ça, quand il a dit, venez vers moi, confessez vos péchés. Je voulais me lever, mais je ne sais pas ce qui m'a retenu. Quand il a dit, faites la prière de guérison, j'ai d'abord demandé pardon à Dieu de ne m'être pas humilié. Je sais que Dieu m'a compris. Quand je suis tombée, je me suis dit, peut-être Seigneur, et quand il a dit, peut-être c'est ton dernier jour. Quand je suis tombée, je me suis dit, c'était mon dernier jour. J'ai dit, Seigneur, pars ici. Parce que si je tombe ici, il va me ressusciter. Je voulais me lever, mais je n'avais pas la force. Du bout de la cheville, j'avais les crampes. Je serrais les poings pour avoir la force pour me lever. J'ai voulu me lever seul, mais je n'arrivais pas. Je suis tombée. Franchement, les mots me manquent. J'ai passé toute la nuit à parler. Elles peuvent témoigner. Je ne sais pas ce que je disais. J'ai passé toute la nuit à parler. Seigneur, je te dis. Alléluia.